Excusez-moi. Pardon, vous allez bien? Vous êtes Lucie? Oui, comment puis-je aider? Donc c'est toi. C'est toi. Donc c'est toi, n'est-ce pas? Excusez-moi. Pardon de quoi? Pardon de quoi? Tu es celle qui court derrière mon mari, hein? Tu es celle qui court derrière mon homme. Mais quel homme? Ça ne va pas là? Tu es malade? Tu ne sais pas que James est mon homme? Tu ne sais pas que James est mon homme? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu ne sais pas que James est mon homme? Viens ici. Quand je te parle, tu écoutes. Allez, tiens-toi là. Laisse-moi te prévenir. Si jamais, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, si jamais je vois quelque chose qui a à voir avec toi, tes appels, tes textos, je te tue. Tu ferais mieux d'avertir ton ami. Je n'ai rien à y voir là-dedans. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien à y voir là-dedans. Ok. Tu ferais mieux, écoute, je vais te... Allez, dégage d'ici. Dégage de là. Tu veux te battre avec moi? Tu veux te battre avec moi? Non. Où sont mes clés de voiture? Où sont mes clés de voiture? N'importe quoi. Regardez-moi celle-là. Qu'est-ce que tu as dit? N'importe quoi. Regardez-les. Je vais te... Tu t'approches de moi? Est-ce que tu t'approches? Tu t'approches de moi? Je vois que tu veux mourir. Reste loin de mon mari. Dis à ton ami de rester loin de mon mari. Si je reviens, je vais vous tuer toutes les deux. Que le tonnerre vous frappe toutes les deux. Vous êtes malade. Tu ferais mieux de dégager avant que je ne t'écrase. N'importe quoi. Regarde ses pieds. Tu es choquée? Idiote. Oh mon Dieu. Lucie, tu vas bien? N'ose même pas. Qu'essaies-tu de faire? Après l'avoir laissé me battre, tu n'es qu'une lâche. Mais quel genre d'ami es-tu? Après avoir payé ta coiffure et tes ongles, rends-moi mon argent. Ce n'est rien. Remets-moi mon argent, fausse amie. Calme-toi. Donne-moi mon argent. Cette femme est... Donne-moi mon argent. Tu es aussi cinglé qu'elle. Donne-moi mon argent. Calme-toi, non. Tu n'as rien fait pour moi. Je... Et elle dit que ce n'est pas moi. Je n'ai rien à y voir. J'ai quelque chose à y voir. Tu dois éviter cette femme. Oh. Jumai? Oui, madame. Désolée, madame. Tout va bien. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Je vais t'envoyer au marché pour acheter des trucs pour le prochain événement. Donc, tu me rappelles de t'envoyer un peu d'argent. Okay? D'accord, madame. J'aurais tout vu sur cette terre. Moi. Oh, magie, je ne comprends pas. En tant que boniche ou quoi? Hey, mon Dieu, je suis certaine qu'elle allait lutter avec l'une des maîtresses de son mari. Maintenant, elle va. Madame, quelqu'un est venu vous voir. Alors laisse-la entrer. Tu es stupide? Ok. Bienvenue à... Rita? Rita Zofor. Oh chérie, on ose ma chérie. Non, pas possible. Hey, regarde-toi chérie. Oh mon Dieu. Assieds-toi. Oh mon Dieu, c'est... Quoi? Ça fait tellement longtemps. Comment est-ce que tu vas? Ça fait vraiment un bail ma chérie, comment tu vas? Je vais bien, je me plains pas. Et comment est-ce que tu m'as retrouvée? Sur Facebook, bien sûr, tes flyers et tes publications sont partout au sujet de ton agence d'organisation d'événements. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est que le travail qui paye. Tu te souviens comment? T'avais l'habitude d'organiser nos sorties à l'université. Qui aurait cru que ta passion deviendrait ton gagne-pain un jour? Qu'est-ce que je peux dire? Je fais ça depuis tellement longtemps que je ne m'en souviens même plus. C'est-à-dire, ça a finalement payé. Mais attends, tout ce que tu dis est bien? Mais ne me dis pas que tu as fait tout ce chemin juste pour passer un coucou à ta vieille copine. Bien. Je vais me marier. C'est pas possible. Tu vas te marier?
Qui aurait cru que la bonne gay répugnante de l'université aurait un jour un homme pour elle? Tu te souviens à l'époque, vous aviez pour habitude de me taquiner sur mes looks minimalistes. Vous avez tous cru que je serais la dernière à trouver un homme, n'est-ce pas? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu vas organiser mon mariage. Super! Ouais, génial! Nous devons avoir une rencontre, tu sais. Moi, toi, Cassandra, Noma, Félicia, de nouveau ensemble, comme des vieilles amies, et fait une petite fête. Ouais. Et le truc, c'est que Félicia est en France avec son mari et ses enfants. Et Noma est un peu trop occupée. Cassandra est à Abuja, donc. Mais nous devons attendre que tout le monde soit là. Tu le sais, n'est-ce pas? Absolument. Tu as tout à fait raison. Maintenant que nous sommes toutes mariées. Oui, nous le sommes toutes. Tu n'as pas changé de grain, ma chérie. Est-ce qu'on peut passer à la consultation, s'il te plaît? C'est pour ça que tu es venue, n'est-ce pas? J'ai des catalogues. Meuf, je suis organisatrice. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Ça, c'est ma meuf. Tu n'as pas du tout changé. Ouais, j'ai besoin je me rapproche de toi. L'organisation, merci, chérie. Je suis... Jumai! Vraiment? Elle va se marier avant moi? Rita, la geek répugnante à l'école, j'étais la plus jolie. Je suis toujours la plus jolie. Classe et cultivée en même temps. Oh! Qu'est-ce qui... Oh! Comment est-ce qu'elle peut se marier avant moi? Dégage! 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 Salut chérie. Hey, viens là, viens. Tu crois faire quoi? J'essaie juste d'accueillir mon âme. Donc, dans ta tête maintenant, tu es la nouvelle inspectrice de l'année, hein? Tu comptes sur tout le monde dans la rue, hein? Bébé, laisse tomber. Comment tu osais mettre main sur Lucie? Réponds-moi! Vraiment? Vraiment? Le culot que tu as de défendre ta maîtresse juste sous mon nez? Je pensais qu'on avait dépassé cela. C'est terminé. Tout ça, c'est terminé! Tu sais, c'était une grosse erreur de t'amener dans cette maison. Maintenant, je veux que tu t'en ailles. C'est fini. Attends. Arrête. Tu es sérieux? Tu casses avec moi à cause de cette fille? Je t'ai donné 7 années de ma vie. Est-ce que tu es sérieux? Mais 7 années sont passées, d'accord? J'en ai fini. C'est fini avec ça. Lucie est ma meuf maintenant. Et je l'aime. Et si tu sais ce qui est bon pour toi, reste loin d'elle! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que... Je ne vais aller nulle part! 7 années de ma vie en l'air? Tu plaisantes? Je vois que tu plaisantes. Je ne vais aller nulle part! Je ne vais aller nulle part. Je ne vais aller nulle part. James, bébé, j'ai besoin de te parler. Attends. Écoute. On s'est disputé hier nuit. C'était totalement de ma faute. J'en prends toute la responsabilité et je... Je te demande pardon. Je suis désolée. Ouais. Je souhaite simplement que tu saches à quel point je t'aime. Nancy, c'est trop tôt pour ça maintenant, s'il te plaît. J'aimerais juste bien commencer ma journée. James, nous sommes ensemble depuis 7 bonnes années. Est-ce que tu peux arrêter avec ça? Arrête un peu avec tout ça, s'il te plaît, je t'en prie. Je suis désolée.
Mais je n'aime pas le fait que tu dises que notre relation est terminée. Ça ne va jamais arriver, James. Tu devras me passer sur le corps. Notre relation est toxique. Nous sommes tout le temps en train de nous disputer. Et ce tout le temps. Et ça saute à l'œil. Alors à qui la faute? Tu es celui qui me trompe constamment, me manque de respect tout le temps et c'est moi qui devrais porter le chapeau? Ok, je suis désolée. On ne va pas commencer la journée avec une dispute, donc... Alors je me disais, et si on essayait un peu de pimenter notre relation? Peut-être faire un voyage ou autre chose? S'il te plaît, je suis vraiment pas d'humeur pour ça, je t'en prie. James, qu'est-ce que tu attends de moi? Je t'ai absolument tout donné, littéralement tout donné. Ma vie, mon corps, mon... Je cuisine pour toi, je fais ton linge, j'ai avorté des bébés pour toi. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est que tu as un problème psychologique. Tu es peut-être sourde ou muette. Quelle partie de... Je ne peux pas commencer ma journée comme ça que tu ne comprends pas. Car tu dois toujours t'en sortir, c'est ça le souci. N'est-ce pas? Est-ce que tu as prié ce matin? Tu as fait ta prière? Et tu veux me gâcher la journée? Et tu es là en train de me dire que tu veux que cette relation... N'importe quoi. Colle-moi la paix, s'il te plaît. Je n'ai pas faim. Mais bébé, tu n'as rien mangé. Allez, tu dois manger quelque chose. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais avoir à dîner? Je vais rentrer tard. Ok. Attends, je planifie quelque chose de très sexy pour tous les deux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne suis pas intéressée. Impeccable! Oh mon Dieu! Oh! Mais qu'est-ce que je vois là? Oh! Kobe, tu n'as pas encore terminé? Ah, bonjour, madame! Oh mon Dieu! Vous êtes tellement belle en cette journée ensoleillée! Combien de temps est-ce que ça va te prendre pour terminer? Oh, ne vous en faites pas, je vais le faire très rapidement. Et vous savez, je suis en train de faire un test de conduite. Okay. Corbina, donne-moi mes clés, je n'ai pas le temps pour ça. Oui, madame. Ok. Ok. Va ouvrir le portail. Madame, je voulais vous dire que maintenant, je ne m'appelle plus Kobe. J'ai changé mon nom. Vous pouvez m'appeler bébé, alias Mamma Mia. Corbina, va ouvrir le portail. Ok, madame. Excusez-moi, madame. Je voulais juste vous dire que je n'ai pas à manger. En quoi est-ce que ça me concerne? Eh bien... Corbina, ouvre le portail. Ah! Très bien, madame. Viens là. Ouais. Qu'as-tu fait du salaire que je t'ai payé la semaine dernière? Madame, je l'ai envoyé à ma famille. Ils en avaient besoin, alors je le leur ai envoyé. Ils achèteront... Tiens, écoute. Oh. Dedans, il y a un thermos sur la table. Serre-toi. Merci, madame. Et ferme ma porte. D'accord, madame. Et ouvre le portail. Vous dites? Kobe va ouvrir le portail. Oh, oui, le portail. Ma belle. Désolée si je n'ai pas frappé. Jemai m'a dit que tu es occupée. Salut, quoi de neuf, chérie? Alors pourquoi ce temps? T'es fatiguée ou t'es enceinte? J'aurais aimé. Aimer quoi, le fait d'être enceinte ou d'être fatiguée? Qu'est-ce que tu crois? Si j'étais enceinte, James aurait fait le nécessaire et m'aurait fait sa demande. Tu as été enceinte deux fois, tu te rappelles? Et il s'est assuré que tu avortes. Je n'arrête pas de me poser cette question. Pourquoi moi?
Je veux dire, j'ai fait tout ce qui était humainement possible. Tout ce qu'une bonne femme aurait pu faire. Peut-être que tu en fais trop. Tu peux parler. Non, tu peux parler. Tu t'es mariée à 25 ans. Et j'ai divorcé à 29 ans. Écoute, cette histoire de mariage ne m'intéresse plus du tout. Épouser la mauvaise personne peut ruiner ta vie pour toujours. Que ça ruine ma vie. Non, que ça ruine ma vie. Laisse-moi goûter à cette ruine ne serait-ce qu'une seconde. Nancy, je t'ai toujours dit d'arrêter d'être obsédée par cette histoire de mariage. Peut-être que si James réalise que tu n'es plus intéressée, il t'épousera. Il voit quelqu'un d'autre. Qui? Son nom, c'est Lucie. Connaît-il Develyn et Chioma? Je me fiche pas mal de toutes ces filles ou femmes, ou peu importe. Je souhaite juste qu'il laisse toutes ces filles et qu'il se consacre à me légaliser. J'ai toujours su que c'était une mauvaise idée de vous installer ensemble, après un an de fréquentation. Tu as tellement donné à cet homme. Tu lui as tout donné. Devine qui est venue me voir au bureau. Qui? Rita. Mon amie de l'université dont je t'ai toujours parlé. Elle va se marier. Et puis? Qu'est-ce que tu entends par « et puis » Toutes mes camarades de classe sont mariées et elles comptent organiser une fête de retrouvailles. Au moins, je dois être capable d'obtenir une bague avant ça. Cessons juste de parler de cette affaire de mariage, ok? Je suis venue te voir. Tu sais quoi? Viens et allons déjeuner ensemble. Écoute, je n'ai pas faim. Tu peux y aller sans moi. Vivi, s'il te plaît, allons-y. Vas-y sans moi, je n'ai pas faim. Allons-y. Nancy. Oh. Oh, ok. Comme j'aurais aimé être un prodige peu enthousiaste. Je sais que c'est un crime. Je sais que c'est un crime d'ouvrir la maison de madame. Mais qu'est-ce qu'un homme sauvage comme moi peut faire? Je n'ai aucune forme d'émotion qui coule dans mes veines. Mais j'y ai pensé. J'y ai pensé. Je dois aller jusqu'au bout. Oh mon Dieu. Mamia. Ah, c'est ça. Maintenant, je peux dire adieu à la maîtresse de soi. Oh mon Dieu. Je peux maintenant éviter. Oh, mon bébé, ma señorita, secrète dans la chambre secrète. Ce jour-là, oh mon Dieu, ce jour-là, nous allons physiquement et mentalement nous noyer tous les deux dans l'amour. Domenico, oh mon Dieu, Anastasia, brazo toreado. Ah, mamma mia. Ce n'est pas James là-bas? S'il te plaît, je t'en prie, ne fais pas quelque chose de stupide. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu entends par rien de stupide? Quelqu'un qui a refusé de manger ce matin? Qu'est-ce que tu entends par rien de stupide? Merci. Hein? Laisse mon homme, tu ne veux pas comprendre. Laisse mon homme, laisse-le tranquille. Qu'est-ce que Laisse-moi ça lui montrer à qui tu appartiens. Laisse-moi lui montrer le mari de qui tu es. Mais ce n'est pas ma femme. Est-ce que tu es malade? Qui n'est pas ta femme? On va se marier que tu ça, le veuilles ou non. Jamais. Tu es malade? Laisse-moi lui montrer. Voleuse de mari. Non, si voyons. Tu vas me trouver à la maison. Je t'attends à la maison. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive, putain? Non, toi, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'attends à la maison, je t'attends. Toi, je vais revenir pour toi. Je vais t'attraper, femme sans vergogne, espèce de salope. Aïe, mamma mia. Bébé, je vais t'emmener au paradis. Ouais, mon amour, ça c'est la vie. C'est la vie, ne sois pas surpris mon amour. Regarde et apprends. Bébé, sois la bienvenue dans mon humble et splendide demeure. Oh ouais. Hey, c'est ta maison. Hey, cette maison est belle, oh. Hey, non,
Fais attention, fais attention. Ça vient de Berlin. Ça vient de Berlin. Et tout ce temps, moi qui te prenais pour un simple gardien. Hein? Un simple gardien. Hey! Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je t'ai dit que j'étais, je suis un gardien? Kwamna. Attention, attention, attention. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je t'ai dit que je suis gardien? Hein? Je t'ai dit que j'ai grandi à l'étranger. Je suis un fils d'outre-mer. Tu piges? Pour certaines raisons, mes parents m'ont fait venir, tu vois, en Afrique. Hein? Ne t'en fais pas. Hein? Dès que j'aurai fini avec mon test de langue, bébé, tout va changer. Et je vais aller avec toi, je vais t'emmener. Bébé, je vais t'emmener. Non, t'inquiète. Hein? Mon bébé. Hey. Oh mon Dieu. Tu es tellement belle, bébé. Tu me rends faible. Ma mamie, tu es timide, pas vrai? Alors, bébé, dis-moi, qu'est-ce que je peux t'offrir? N'importe quoi, oh. Mais tu as du coca? Coca? Tu prends du coca? Oh mon Dieu, Jésus! Tu prends du coca? Non, non, ne fais pas ça! Ne prends pas du coca! Prends des trucs luxueux, tu vois, comme du whisky, du Campari. Dis-moi, tu as déjà bu du Campari avant? Campari? Non. Non, t'inquiète pas, je vais te donner un truc différent. Hein? Un truc léger, non, un apéritif. Tu sais, fait en cuisine, ok? Tu connais? Apéritif? Ça veut dire quoi, apéritif? Oh, tu ne sais pas ce que c'est? Non. Tu n'as aucune idée? Une belle fille comme toi, tu ne connais pas l'apéritif? Non. Ok, belle sans cervelle. T'en fais pas, ok? Après l'avoir pris, tu sauras ce que c'est, ok? Ok. J'arrive. Ah. Hein? Oh, bébé, tu es tellement belle. T'inquiète pas, j'arrive. Hey. Aïe, mamma mia. Je suis arrivée. Ah. Hey. Kwakuna. C'est la maison de Kwakuna. Tout le monde doit entendre ça. Hey. Tout le monde doit l'entendre. C'est tout simplement frustrant. Tellement frustrant, et elle me le fait à chaque fois. Nous allons quelque part, elle vient m'embarrasser en public, et je ne peux même plus retourner à cet endroit. C'est fatigant. Mais as-tu essayé de lui parler pour savoir quel est le problème? J'ai déjà tout essayé. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai imploré, j'ai supplié. Je suis même allé voir son pasteur, j'ai vu ses parents. Écoute, je suis fatigué de tout ça. Vous êtes ensemble depuis longtemps. Je dois être capable de tout arranger. Arranger quoi après 7 ans? Gabi, 7 ans, allez, voyons. Ça fait très longtemps. Exactement. Je suis un adulte. Pourquoi je dois subir tout ça à cet âge? Que vas-tu faire maintenant, alors? James, je n'irai nulle part. Nancy, arrête, ok? Tu pars de cette maison aujourd'hui. Non, jamais. Cette maison nous appartient à tous les deux. Pourquoi je devrais partir? À cause d'elle? À cause d'elle? Je ne vais aller nulle part. Si tu sais ce qui est bon pour toi, barre-toi d'ici, avant que je ne rentre. Je ne vais aller nulle part, Ne me touche pas, ne me touche pas. James, je ne vais aller nulle part. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Je suppose que je vais juste le supplier. Comme d'habitude, le supplier de rentrer à la maison. Nancy, tu l'as appelé et lui laissé des messages. Il n'a même pas répondu à aucun. Eh bien, c'est normal. Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Veux-tu écouter mon conseil? Oui, quoi? Écoute, tu es magnifique. Tu diriges une agence d'organisation de mariage. Donc, s'il te plaît, tu t'en sors très bien. Laisse James tranquille. Non! Ah, je n'aime pas ça. Je ne peux pas et je ne veux pas. Pourquoi? Parce que... j'ai plus de 30 ans, qu'est-ce que tu entends par pourquoi? Par où est-ce que je vais commencer? Sortir avec quelqu'un et encore attendre qu'il fasse sa demande? Où est-ce que je vais commencer? C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Ma sœur qui a 8 ans de moins, comment vient de se faire demander en mariage par son fiancé? Comment est-ce que je suis censée me présenter aux yeux de la famille? Tu as l'air très désespérée. Eh bien, je suis à ce point désespérée. Ok. Ok, alors qu'est-ce que tu veux faire?
Non, ce n'est pas correct. Non, 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 sinon. Détends-toi, relax, du calme. Écoute, James, je sais qu'il est réticent. C'est pour ça qu'il a du mal à faire sa demande. Alors je vais tenir le taureau par les cornes et faire ce qu'il y a à faire. Es-tu sûre de ça? Je n'ai jamais été plus sûre. Fais-moi confiance. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas l'appeler? Parce qu'il ne prend pas mes appels. Il est toujours en colère. Alors, dis-lui que tu aimerais lui parler. Mmh? Et je vais faire ma demande. Qu'est-ce que tu entends par « et » Nancy. S'il te plaît, ne recommence pas à faire cette tête. Si tu ne veux pas m'aider, appelle quelqu'un d'autre. J'ai appris qu'il va bientôt se marier. Mec, je n'y crois pas une seconde. Je t'assure. Arrête, mec, c'est juste du bluff. Ah, Vivien est en train de m'appeler. Mais décroche. Allô? Ouais, ça va, ça va. J'étais en route pour la maison. Tout de suite. Vivi, j'ai des choses à faire et... Pas de soucis, c'est entendu. D'accord. Elle veut me voir. Mais alors, vas-y. Mec, pas question. C'est quoi ce délire? Essaye d'aller la voir, le pire peut arriver. Oh, James, merci d'être venu. S'il te plaît, assieds-toi. Je t'en prie, dépêche-toi, j'ai des trucs à faire. Ok. Je ne sais pas comment le mettre, mais... Nancy est désolée et te prie de lui pardonner. C'est pour ça que tu m'as fait venir? Non, ce n'est pas tout. J'essaie de dire que... Salut. Salut, chérie. Ok, laisse-moi aller droit au but. Je sais que je n'ai pas été la femme parfaite pour toi et je suis absolument certaine que tu es l'homme parfait pour moi. Mais je sais que tu as la trouille de faire ce qu'il faut, alors j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Bébé, s'il te plaît, épouse-moi. Je t'aime tellement. Il n'y a absolument rien que je ne puisse faire pour toi. Bébé, non. Tu es sérieuse? Je suis partie de la maison depuis 2 jours et tu montes ce coup pour me demander un mariage. Tu es folle? Bébé, s'il te plaît, non, attends. Ne me touche pas. S'il te plaît, James, Vivi, s'il te plaît, va le supplier. Nous sommes en public. Je t'en supplie, allons-y. Vivi, allons-y. On doit le rattraper et lui parler avant qu'il ne s'en aille. Vivi, s'il te plaît, allons-y. Je ne veux pas qu'il parte. James? James? C'est exactement de ça que je te parlais. Je voulais juste qu'ils disent oui. Je sais, écoute, mais... je pensais que la foule qui était présente allait le pousser à dire oui, parce qu'il n'aurait pas voulu m'embarrasser. Ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas abandonner. Je veux retrouver mon homme. Je ne vais pas baisser les bras. Jumaï, où étais-tu? Profites-tu de l'absence de ta boss pour laisser le bureau sans surveillance? Madame, je suis allée mettre du crédit pour appeler Madame Nancy. Une cliente est venue, mais était trop pressée pour attendre. Je pense qu'elle n'est pas restée trop longtemps. Ok, et où est passée la cliente? Je l'ai laissée à la réception avant d'aller acheter nos crédits de communication. Ok. S'il te plaît, peux-tu apporter une bouteille d'eau pour ta patronne? Ok, madame. D'accord, merci. Nancy, c'est sérieusement en train d'affecter ton business. Tu perds des clients et ce n'est... Je n'en ai rien à faire. Quelle est l'importance de réussir sans avoir un homme? Dis-moi.
Laisse-moi tranquille. J'ai mal. Calme-toi. T'inquiète. Tu trouveras un nom bien, ok? Non, je ne veux pas un nom bien. Je veux James. James, s'il te plaît. James, je t'en supplie. James, s'il te plaît, ne nous fais pas ça. Quelle partie de jeune peuple tu ne comprends pas? Hein? Ok, je sais. Tu l'as dit un million de fois, mais... S'il te plaît, je t'en supplie. Donne-nous une dernière chance. James, qu'est-ce que tu veux que je t'ai demandé de partir. Vu que tu ne peux pas le faire, je vais le faire, ok? Depuis que tu es entré dans ma vie, tout est un désastre. Tu portes la poisse, Nancy. Ok, très bien, je l'admets. Tout ce que tu vas dire, je vais l'accepter. Mais s'il te plaît, ne t'en va pas. Non, je ne peux plus partager la même maison avec toi. C'est fini, Nancy. Ok, attends. Je vais m'en aller. Tu vas partir? Oui, je veux dire... C'est ce que tu veux et je... Je veux faire ce que tu veux, alors je vais y aller. Mais s'il te plaît, donne-moi un peu de temps pour rassembler mes affaires et me remettre les idées en place. D'accord. Je vais dormir dans la chambre d'Amé. Quoi? Tu as dit ça? Eh bien, n'importe quoi pour qu'il reste. Donc, tu n'iras pas. Je lui ai demandé de me donner quelques jours, donc... Tu vas partir? Bien sûr que non! Vraiment? Donc, tu penses que je vais laisser ces sales garces penser qu'elles ont gagné? Je suis confuse. J'ai cru que tu avais dit que vous avez rompu. Juste parce que je l'ai dit, ça ne veut pas dire que je le pensais. Non, si. Je te conseillerais d'arrêter de voir James. Parce que tu finiras dans de sales draps. Vivi, laisse-moi te poser une question. Où est-ce que tu voudrais que je retrouve cette année de ma vie? Non, réponds-moi. Oh, ne détends pas le visage. Où est-ce que tu voudrais que je les retrouve? Exactement, pas de réponse. Alors s'il te plaît, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Vas-y doucement. Toi aussi, vas-y doucement. Entrez. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Tu dis ce que tu as à dire ou alors tu sors de mon bureau. Ok. Je pense que je connais quelqu'un qui pourrait vous aider à résoudre vos problèmes. Problème, hein? Désolée, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai dépassé les limites. Mais vous êtes ma boss. Et je vous vois également comme une grande sœur. J'irai vous voir dans cet état. Écoute, si tu es ici pour me parler d'un pasteur ou bien d'une église, t'inquiète, je l'ai déjà fait. C'est pas vraiment une église. C'est plus ou moins une maison de prière. Je connais un homme. Il sait très bien lier les gens. Il y a un couple qui l'a lié. Et ils sont toujours ensemble depuis 5 ans. En fait, son père a même lié un couple qui a fait 70 ans de mariage. 70? Attends. Tu veux dire... Oui, pendant 70 ans. En fait, on l'appelle le lieu de couple. Je t'écoute. Comment est-ce que je peux contacter ce lieur de couple? Je peux vous donner son numéro, mais il est très cher. Est-ce que j'ai l'air d'avoir des problèmes d'argent? Va me chercher son contact. Combien est-ce que Dumas t'a dit que cet homme facture? 500 000, mais elle a pu le convaincre de me laisser ce service à 200 000. 200 000? Parfois, tu parles comme quelqu'un qui a un trouble mental. Ce montant est trop. Ok, mais si cela va résoudre mon problème, alors je m'en fiche.
Je ne suis pas d'accord. Où est cette Jumaï? J'espère qu'elle n'essaie pas d'être un arnaque. Ah, ah, écoute, je ne vais pas te laisser blâmer cette fille pour avoir essayé de m'aider. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tout ceci a commencé à me dire il faut laisser James? Nancy, je ne veux pas que tu te rabaisse à ce niveau. Vivi, je t'en supplie, ne viens pas ici pour me juger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ah. Certaines femmes envoûtent leur mari. En quoi est-ce que je suis différente? Écoute, je ne suis pas d'accord avec ça. Si c'est la voie que tu es sur le point de prendre, ne compte pas sur moi. S'il te plaît, arrête de m'agacer. T'es au-dessus de ça. Il y a tellement d'hommes qui veulent de toi. Pourquoi, James? Parce que si tu n'as pas l'intention de m'aider, laisse-moi tranquille. Tu parles d'amitié. Que je vais garer ici et essayer de me renseigner parce que je suis perdue. Ouh, je suis perdue. Il faut que je me gare quelque part. Salut. Je vais me renseigner. Vous m'avez été recommandé par Jumaï. Soyez la bienvenue. Mettez-vous à l'aise. Vous êtes au bon endroit. Comment puis-je vous aider? Je voudrais que mon petit ami m'aime. Je ne voudrais pas qu'il voie d'autres femmes à part moi. C'est tout? Non. Eh bien, c'est-à-dire... Je veux dire... Oui, en fait, je ne voudrais pas... Je voudrais qu'il m'épouse, qu'il m'aime, qu'il fasse tout ce que je demande. Je voudrais que ce soit que lui et moi. Juste tous les deux, jusqu'à la fin des temps. Êtes-vous venu avec l'agent? Oui, oui, oui. 200 000. Mettez-la. Ok. S'il vous plaît, vous êtes mon seul espoir. Je souhaite vraiment que ça fonctionne. Votre souhait est exaucé. Vraiment? Oh, mais merci. Ok. Donnez-moi une minute. Ok. Quand vous arriverez chez vous, ouvre cette substance. Mettez une goutte dans son repas. Ok. Et un peu dans son eau de bain. Et il sera jamais à vous. Oh, mais merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante. Je vous merci. En prie. Juste une goutte. Je vais le faire. Merci. Et pas d'erreur. Jamais, jamais. Je suis tellement reconnaissante. Merci infiniment. Je vais y aller maintenant. Salut, tu es de retour. Bienvenue. Est-ce que tu aimerais dîner? Je n'ai pas faim. Waouh. James, écoute, je sais qu'on se sépare, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas être cordial. Qu'est-ce qu'il y a, Nancy? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, viens dîner avec moi pour une dernière fois. S'il te plaît. Pour une dernière fois. Oui, je vais m'en aller. Je ne peux vraiment pas rester ou je ne peux pas être au moins tolérée. Je ne voudrais pas qu'on termine cette relation dans la tension, donc... Le dîner. Ok, bien. Tu vas dîner avec moi?
une dernière fois. Oui, bien sûr. Une dernière fois. Oh, et je t'ai chauffé un peu d'eau pour que tu puisses prendre ton bain avec. La bouilloire est en panne, donc j'ai utilisé la cuisinière. C'est cool, n'est-ce pas? Ouais. Je vais couler ton bain. Cette nourriture est délicieuse. Ouais, merci. Alors, où est-ce que tu vas habiter? Oh, chez Vivi, elle a besoin d'une colocataire. Oh. Ok. Tu sais, je pense que je vais aller ranger mes affaires. J'ai beaucoup emballé, je n'ai pas encore commencé, donc... Ça ne te ressemble pas, Nancy. Quoi? Je veux dire, tu pars sans te battre, ça ne te ressemble pas. N'avons-nous pas assez lutté, James? Je veux dire, je ne voudrais pas que la dernière image que tu aies de moi soit celle de ces bagarres, donc... Ouais, tu as raison. Écoute... Je te souhaite bonne chance pour la suite, d'accord? Et je suis désolé si je n'ai pas pu t'aimer selon tes attentes. C'est sans rancune. Je vais aller ranger mes affaires. Dis-moi quand tu as fini pour que je débarrasse, d'accord? Ok. Bonjour, bébé. Tu es trop chaud. Allez, serre-moi, bébé. Serre-moi fort. Hey, salut bébé. Salut. Hey. Tu es rentré tôt. Oui, j'ai démissionné. Quoi? Oui, viens. Écoute. Oh, j'ai réalisé que, tu sais, je dois me focaliser sur des trucs très importants comme... Tu sais, prendre soin de toi, rester à tes côtés. Vois-tu, j'ai passé toute la journée. Attends. Tu sais que tu peux faire tout ceci, mon amour, sans démissionner, n'est-ce pas? Non, c'est impossible. Écoute. J'étais au travail aujourd'hui, et tout ce à quoi je pensais, ça me distrait de t'aimer et de prendre soin de toi. Et j'ai fait la cuisine. J'ai cuisiné. Tu as cuisiné? Oui, je ne pense pas qu'il soit si bon, mais il fallait que je le fasse, alors donc je l'ai fait. Alors j'étais juste comme ça au travail et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai à foutre là à travailler alors que je peux prendre soin de mon bébé? Donc, tu as faim? Oui, t'as faim. Et tu vas voir, tu vas adorer.
Parce que je... Ah, ok, ok. Tu vas adorer, tu vas adorer, tu vas adorer. Serre-moi. Bébé. Vraiment? Un rêve? Sans blague. James, vraiment? James, bébé, réveille-toi. Allez, bébé, réveille-toi. James, bébé? James! Oh, Seigneur. James! Non, 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 non. Non, 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 non. James! James! Oh mon Dieu! 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 James! Oh Seigneur! Oh non! Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? James! Oh Seigneur! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, Seigneur! S'il te plaît! Oh James! James, s'il te plaît! Oh Seigneur! James, s'il te plaît, réponds-moi. James, James. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur Jésus. Mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, non, non. James. Bonjour. Bonjour, madame. Voulez-vous louer une chambre? Hein? Oui. Voulez-vous louer une chambre? Non, je ne veux pas. Je cherche... n'est-ce pas la maison de prière? Non, 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 ce n'est pas la maison de prière. Nous avons l'habitude de louer cet endroit pour diverses activités. Mon Dieu. Y a-t-il un problème? Non, désolée. On n'a pas de problème au nom de Jésus. Désolée. Vous êtes sûre que ce n'est pas la maison de prière? Non, non, ce n'est pas la maison de prière. Ah, ah. Elle est là! Elle est là, la vie! Bienvenue, bienvenue chez moi! Ah, quoi, Mena, mon amour? Tu m'as trop manqué! Ta maison est vraiment bébé, rassure-toi, tout ira bien! Mm-hmm. J'ai trop hâte de galoper ton cheval! Ah, Nawao! Avec ton gros français, tu finiras par me tuer! Oh, bébé! Mets-toi à l'aise! Merci! Oh, après toi, mon bébé! Les dames d'abord! Mamma mia! Non, bébé, tu sais. Cet endroit est la partie la plus importante. Mm-hmm. La pièce secrète, bébé. Donc, prépare-toi à entrer. Bébé. Hey!
Allez, viens par ici, toi. Lâche-moi. Qui est cette personne dans ta chambre? Oh mon Dieu. Merci, Seigneur. Dieu merci. Il n'a pas remarqué nos personnes présidentielles. Quoi, ménage, j'ai demandé, c'est qui cet homme dans ta chambre? Mais, bébé, le truc, c'est que c'est mon frère, consanguin. Il est venu du Canada la nuit dernière. Et il n'y a aucune autre chambre dans cette maison. Pourquoi dort-il dans ta chambre? Écoute, je ne sais pas. Mais bébé, t'inquiète pas, ok? On ne va pas se battre pour ça. Allons-y. T'as pas de soucis à te faire. Je ne vais nulle part, oh. Tu ne vas nulle part? Je ne vais nulle part. Ah ah, c'est obligé. Oh. Allez, tu vas venir avec moi, sortons d'ici. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi. Il est évanoui? Ah, non, je ne peux pas. Je ne peux pas entrer tout de suite. Mon Dieu, je ne peux pas entrer. Madame Nancy aussi est là-dedans. Où devrais-je aller lui demander de l'aide? Non, allez, réfléchis, t'es qu'un idiot. Je te l'ai toujours dit, comporte-toi quand tu vois une femme. Dans ton cérébrum va commencer à s'agiter. Je n'ai pas ça. Oh Dieu, très bien. Ok, on se calme. Relax, relax. Tout est sous contrôle. Tu ne peux pas perdre ton job, tu ne vas pas le perdre. Monsieur James ne t'a pas vu. Ok? Ça va. Mamma mia. Bien. Attends, attends. Ok, 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 ok. Je suis désolée. Chérie. Salut. Salut, est-ce que ça va? Oui. T'es sûre? Je t'appelle les mêmes toutefois, mais tu ne décroches pas. Oh, je suis désolée, je prenais soin de James. Il est malade. Où est-il? Il est à l'étage, dans la chambre, mais il a la varicelle.
La varicelle. Donc, il se souvient qu'il a une infirmière qui s'appelle Nancy. Ne peut-il pas aller chez ses autres copines? Vivi, s'il te plaît, écoute. Je ne suis pas d'humeur pour ça. Pourquoi tu es ici? Que veux-tu dire, pas? Pourquoi je suis là? Je suis ton amie. Et la dernière fois, on s'est disputé. Donc, je suis venue faire la paix. Ok. Copine, t'es sûre que ça va? Oui, Vivi, écoute, tu peux y aller. Je vais t'appeler. Je dois vraiment me concentrer sur cette histoire de maladie. Tu peux y aller. Je vais t'appeler. Nancy. Hein? Vivi, écoute, ne t'en fais pas, je vais t'appeler. Vas-y, hein? Ne t'en fais pas, il n'y a aucun souci. Je ne veux juste pas que tu l'attrapes. Vas-y, je vais t'appeler. Ok, bye. Bye-bye. Qu'est-ce que j'ai fait? Homo sapiens, erectus, excusez-moi madame, excusez-moi, s'il vous plaît, je peux vous parler? Kobina, écoute, je n'ai pas le temps pour ça, c'est quoi le problème? Madame, je voulais... dites-moi, monsieur James, il reste ici aujourd'hui? Je ne comprends pas, pourquoi tu me contrôles? Tu as un esprit contrôleur, qu'est-ce qu'il y a? Oh madame, veuillez m'excuser, acceptez mes condoléances et mon profond regret. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit... N'utilise plus jamais ce mot. Ne l'utilise plus jamais. Personne n'est mort. Personne n'est mort, tu as compris? Madame, je suis désolé. S'il te plaît. Désolé d'être une nuisance. Aïe, ma mamie. D'être... Donc, personne n'est mort. Monsieur James. Monsieur James. Eh oh! Monsieur James? 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 Monsieur? Monsieur James? Prophète, venez avec moi. S'il vous plaît, venez. Dépêchez-vous. Écoute-moi bien, James. Par la puissance, au nom de Dieu, je t'ordonne de ressusciter. Amen. Je t'ordonne de ressusciter. Amen. Je t'ordonne de ressusciter. Amen. James, écoute-moi très attentivement. Par la puissance, au nom de Dieu, je demande de ressusciter. Amen. Réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Amen. Ah, au nom de Dieu, je t'ordonne, James, de te lever maintenant. Amen. Allez, lève-toi. Amen. Tu vas ressusciter. Amen. Bon, par la caca, saga, fuck, shibaka, bata, kaka, ba.
La Bible dit que tes ossements vont revivre à nouveau. Lève-toi maintenant, Rababakasakakalapa. J'ordonne à ton cerveau de revivre maintenant, Rababakasakapakata. James, ressuscite maintenant. Amen. Ressuscite maintenant. Amen. Ressuscite maintenant. Amen. Rababakasakakalapa. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Mon père, désolé. Pasteur, s'il vous plaît. Prophète, c'est quoi le problème? Il ne se réveille pas, hein? S'il vous plaît, vous avez dit que vous pouviez le réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez quoi? Apportez-moi de l'eau. Apportez-moi de l'eau. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Non, monsieur, excusez-moi. Vous devez le réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur prophète, attendez. Regardez, je vous ai payé 10 000 naira pour ce truc. Vous savez, l'homme de Dieu est faible et a faim. Pardon? Oui. Apportez à manger pour moi et James. Vous savez, je viens juste de recevoir une révélation qu'une fois qu'il aura perçu l'odeur d'un bon repas, il va ressusciter. Oh. Oh, ok. Laissez-moi aller faire à manger. N'importe quel de repas, la bonne bouffe, de la bonne de bouffe. De la bonne bouffe. D'accord, monsieur. S'il vous plaît, continuez. Pour qu'à l'arrivée de la bouffe, il se réveille une fois. Hey. Prophète, prophète, s'il vous plaît, c'est comment? Prophète, ça s'est passé comme... prophète! Jésus! Oh Dieu! Si même le prophète sort en courant, ça veut dire que c'est la totale! Ah! Jésus, prophète! Désolée d'avoir mis aussi long, je devais trouver quelque chose... Prophète? Mon père? Monsieur le prophète? 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 Kobena? Madame! Où est le prophète? Ah, madame, désolé, il s'est envolé! Quoi? Ouais! Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas arrêté? Madame, excusez-moi, je ne faisais pas partie de... Oh, tais-toi, il va le chercher! Je lui ai donné 10 000 lira! Pardon? Madame, je... Madame, je... Va le chercher! Ton français, que se passe-t-il? C'est... Monsieur James. Qu'est-ce qu'il y a, James? Si vous aviez vu ce que j'ai vu, j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Non, il m'a dit qu'il a la varicelle, donc tu n'as jamais vu la varicelle? Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. J'ai commis une offense. Une offense. Oh. Quelle offense? J'ai les clés de la maison. Quoi? Mais attendez, s'il vous plaît, calmez-vous, ok? Regardons le bon côté de l'histoire, d'accord? C'est pas le moment pour des péricardes. Madame Nancy est sortie de la maison tout à l'heure. Donc, s'il vous plaît, faisons vite, ok? Allons dedans pour voir ce que j'ai vu. Monsieur Mamma Mia! Monsieur Mamma Mia!
Je n'arrive pas à croire que James... James... Ah, madame, c'est incognito. Incognito. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Parle-moi. Je veux savoir, s'il te plaît. Je me disais que je suis confus. Attendez. Aïe! Je le savais! Je le savais! Kobe, viens là! Tu n'iras nulle part! Je le savais! Ma patronne est près de la porte! Je ne veux pas aller en prison, ma vie! Kobena, Vivi, que faites-vous ici? J'ai vu James, que s'est-il passé? Comment est-ce que vous êtes entrée? Lucy, tu n'as pas répondu à ma question. J'ai vu le corps de James, est-il mort? Non! Non, il va ressusciter. Quoi? Oui, j'ai emmené des guerrières de prière. Elles sont puissantes. Elles vont prier. Recule. Hey. Ok. Je vais soutenir en bas avec la prière. Faya, 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 faya. Rakatakaba. Rakatakaba. Monsieur James. Monsieur James. Faya. 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 Rakatakaba. Kwamna, où est-ce que tu vas? Attends. Ne me dis pas que tu veux me laisser. Bébé, calme-toi, ok? Je suis en train d'aller à un séminaire, d'accord? C'est un voyage que je dois faire à tout prix. Voyage, pas de problème. Nous allons partir ensemble. Bébé, tu ne comprends pas. C'est un truc vite fait que je dois très vite gérer. Tu sais, je ne veux pas t'impliquer dans ça. Vite fait? Pas question. Pas question, hein? Pas quand j'ai trouvé un homme riche comme toi. Je ne te laisserai pas partir, Mba. Et tu vois cette maison? Cette belle maison. Nous allons y habiter tous les deux. Oh, je ne... Mais qu'est-ce que je te dis? Est-ce que tu essayes de me foutre la honte? Non, non, non. Je ne te laisserai partir nulle part. Bébé, calme-toi. M'appelle pas bébé. Je sais que t'es amoureuse de moi. Tu ne vois pas qu'elle prie? James est mort. Non, tais-toi. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Que vas-tu faire? Vas-tu le laisser ici? Nous devons aller à l'hôpital et faire un certificat de décès. Tais-toi. Ah, comment peux-tu dire ça? Écoute, personne ne doit être au courant de ça. Jusqu'à ce qu'il se réveille, personne ne doit savoir. Qu'en est-il de Kobina? Je n'ai pas pensé à ça, oh. Vivi, on ne doit pas le laisser quitter cette maison. Oh? Nancy, j'ignore ce qui se passe ici. S'il te plaît. Attends-moi là, je vais aller régler ça. Non. Reste ici avec elle. Oh. Je vais rentrer avec un jet privé, ok? Juste comme les stars le font. Tu n'iras nulle part. Je t'ai dit. Pourquoi tu fais ça, hein? Quel est ce genre de problème là? Tu ne veux pas être une star? Tu ne veux pas vivre comme une star? Kwamena! Madame? Arrête ça, lâche-moi. C'est quoi ça? Kwamena? Attends, qui es-tu? Et que fais-tu avec mon homme? Attends, qui diable es-tu? Tu sais quoi? Sors de chez moi immédiatement. Eh? Tu es malade? Tu es folle? Est-ce que tu es folle? Ça, c'est la maison de mon homme. Son père l'a construite pour lui. Je n'irai nulle part. C'est Kiri! Ne m'appelle pas O. Ne m'appelle pas. N'est-ce pas ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que cette maison t'appartient. Et c'est dans cette même maison que j'ai l'habitude de venir. Donc c'est ce que tu fais quand je te donne les clés de ma maison, hein? Madame, s'il vous plaît. Désolée pour ce dérangement. S'il vous plaît, n'insonorisez pas votre voix avec cette femme. Je vous en prie. Eh? Attends. Alors tu n'es qu'un simple gardien. Hein? Ne t'approche plus jamais de moi. Dégage. N'importe quoi. C'est qui? Madame, désolée pour ce dérangement. Madame, donne-moi vous les voyez... clés du portail. Donne-moi les clés du portail maintenant. Madame, s'il vous plaît. Le truc, c'est que, madame, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas. Mon père est malade. Mon père est malade d'une très grosse maladie. Cette maladie, si je vous disais, elle est si grosse. Et... Ramasse tes affaires. Pardon? Ramasse tes affaires. Oh, désolée, madame. Tu sais quoi? Oui, madame. Tu peux partir.
mais seulement quand James sera réveillé. Va à l'intérieur. Dedans? Je vais, écoute, je vais te donner une gifle. Va à l'intérieur. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Aïe. Si les guerrières de prière sont là depuis une heure, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Elles ont dit qu'elles allaient le ressusciter. Donc c'est ce qu'elles font. Ouais, quoi pas. Je l'ai enfermée dans la chambre d'amis. Ça ne vaut pas le coup. Tu aurais dû quitter cette relation avec James il y a longtemps. Tu aurais eu la paix d'esprit. Qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais simplement qu'il m'épouse. Vivi, je te jure que la seule chose que je veux, c'est qu'il se réveille. James, je t'en supplie, Vivi, s'il te plaît, ne dis pas ce mot, s'il te plaît. James n'est pas mort. Que la paix soit avec vous, mes sœurs. Merci. Ok. S'il vous plaît, est-ce qu'il est réveillé? En fait, le truc, c'est que nous devons aller à la maison de prière pour recharger. Hein? Tantine, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous ai donné 20 000 lira. Peu importe ce que vous voulez recharger, faites-le dans cette maison. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Ma sœur, voici 5 000 lira. Nous avons utilisé 15 000 lira pour notre transport. Ma sœur, sommes-nous les assistantes de Jésus? Mais non. Ou alors l'homme couché là-bas dedans est Lazare? Écoutez, mesdames, s'il vous plaît, discutons. S'il te plaît. Viens ouvrir le portail. Non, n'ouvrez pas. Non, n'ouvrez pas le portail. Laissez-moi, je vous en supplie. Mesdames, s'il vous plaît. Non, viens m'aider. Non, non, venez recharger ici. Il y a plein de... Mesdames, je vous en supplie. Attendez, mesdames, s'il vous plaît. Mesdames, attendez. Mesdames, s'il vous plaît, revenez. Mesdames, s'il vous plaît, revenez. Nancy, nous devons prendre une décision. Nous devons le faire tout de suite. S'il te plaît. Merci d'être là. Je sais que j'étais assez stressée. Merci d'être restée à mes côtés. C'est bon. Même si c'était la raison pour laquelle James est dans cette condition, ce n'était pas intentionnel. Oui. Donc, on le fait toujours, n'est-ce pas? Oui. Ok, on va transporter son corps jusqu'à la malle. Et puis, on ira dans une lit isolée. Hein? On appellera la police pour leur dire qu'il a disparu et on les laisse retrouver son corps. Quoi? Oh mon Dieu, je suis désolée. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse... Je suis désolée. C'est le seul moyen. Notre défi maintenant, c'est comment allons-nous transporter son corps dans la voiture? Parce qu'il sera assez lourd pour nous. Oui, Kwamina peut nous aider. Nancy, veux-tu l'impliquer? Vivi, je ne sais pas quoi faire. À cet instant, je ne pense plus. J'éprouve tellement d'émotions que je ne sais plus quoi faire. Je pense que c'est ce qu'il y a à faire, c'est pour ça que je l'ai dit. Ok. Nous devons essayer. Ok. Pourrais-tu nous trouver un tapis? Un tapis? Oui. Oui, comme celui-ci? Non. On trouve un tapis et puis on pose son corps dessus. Et on le tire dehors. Oh, ok. Oui, ça marche. Ok, un tapis. Je ne sais pas, ça peut aller? Non. Ok, désolée. Laisse-moi aller voir dans la chambre de Kwamina. Okay. Je suis sûre qu'il en vite, a là-bas. Vite, ok. Avant que quelqu'un ne vienne. Ok. Ugh.
Madame Nancy? Madame Nancy? S'il vous plaît, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Oh! Madame Nancy! Madame Nancy! S'il vous plaît, ouvrez la porte! Madame Nancy, ouvrez la porte! Ah! Non, pas moi! Non! Monsieur, c'est vous? Salut! Oh, désolé, désolé. Je pense qu'il te faut ça. Tiens. La vie est belle. Chérie, je pense qu'on devrait faire de ça un business. C'est une bonne idée. Bien sûr. Tineke. Tu sais, je n'arrive pas à croire qu'on a réussi à tromper mon ancienne patronne en lui faisant croire que tu pouvais unir son petit ami à elle. Quoi? Crois-moi. Quelle femme radine. Crois-moi. Cette femme, tout ce temps, mon salaire était 20 000 lire. Vraiment? Elle a été incapable de me payer. Cette femme, mais elle a fait sortir 200 000 lire pour envoûter son petit copain. Juste un copain. Quel bonheur, rien. Tu ne m'as pas dit. Qu'as-tu donné à cette femme? Que lui as-tu donné? Tu te souviens, il y a quelque temps, je t'ai dit qu'à un moment, j'élevais des animaux au village avec mon père. Tu te souviens? Je lui ai donné un médicament qui fait dormir les animaux. Tineke! T'es sérieux? Bien sûr. Hey. Écoute, je lui ai demandé de mettre une goutte dans son eau de toilette et une goutte dans son repas. En fait, tu sais, l'un des amis de mon père l'avait bu un jour par accident. Et le mec, il s'est réveillé juste au moment où nous l'amenions dans sa tombe. Tineke! Sans blague! Quel incapable. Cette fille, tu vas finir par me tuer un jour. Regarde ça. Il est tout juste comme son père. Oh, eh bien, tu seras surprise. C'est ton tour. Pardon, va ouvrir. Oui, chef. Salut. Nancy. Hein? T'as de la visite. Comment? Qui? Je vais vous laisser un peu d'intimité. Désolée, mon téléphone. Ok. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut. Je suis allé te chercher à ton bureau, mais tu n'y étais pas. Oui, je ne suis pas allée au bureau de toute cette semaine. Ok. Oui. comment est-ce que tu vas? Tu vas bien? Tu as vu le docteur? On t'a examiné? Je vais bien. Je vais bien. Ils m'ont fait un lavage complet du cerveau. Oui, d'accord. Une fois de plus, je m'excuse. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait traverser tout cela. J'ai laissé le désespoir emporter ce qu'il y avait de bien chez moi et... Je suis désolée. Ça va. C'est bon, tout va bien, ok? Je suis venu aujourd'hui te demander... Non.
te supplier de rentrer à la maison. La vie n'est plus pareille depuis que tu es parti. Quoi? J'étais un con. Ok, j'ai fait l'idiot. Je sais que je t'ai poussé à bout maintes fois et je t'ai poussé même à dépasser les limites. C'est pourquoi je veux mettre les choses au clair entre nous. Je suis désolée. Écoute, je suis désolée, je ne m'attendais pas à entendre cela venant de toi, mais... Bien que notre relation ait été la chose la plus importante de ma vie à un moment, la vie m'a appris une leçon très importante. On ne gagne absolument rien à être désespéré. Je sais, ok? Et je comprends. Écoute, je réfléchissais et... Aucune femme n'a jamais fait... ou n'a jamais pris de risque pour moi comme tu l'as fait. Tu es allé jusqu'à chercher une potion d'amour pour chose moi. Que je regrette, James. Je sais. C'est bon, je dis simplement que... S'il te plaît, écoute, ne confonds pas les choses. Ce que j'ai fait était mal. Je ne suis pas là pour te juger, ok? Je suis là pour te demander de venir avec moi, s'il te plaît. Quand j'ai cru que tu étais mort, tout ce que je voulais, c'était que tu te réveilles. Je ne pensais pas au fait que toi et moi, on se remette ensemble. Ça ne me traversait même pas l'esprit. Je veux dire, le fait d'assassiner quelqu'un que j'aime m'a mis dans un état tellement déplorable que j'ai encore du mal à m'en sortir. Je cherche encore à me retrouver, à apprendre à me connaître, et ça je le ferai avec ou sans aucun homme. Nancy, nous pouvons traverser tout ça, ok? Tout ça, c'est dépassé pour nous maintenant. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai causé. Je te demande pardon de t'avoir forcé à m'épouser et je regrette chacune de mes actions. Une fois de plus, je suis désolée. Mais... Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et je pense que tu devrais partir. James. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.